Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur Mediasphère, la revue de presse proposée par la rédaction de 8 Mont-Blanc. Tous les vendredis, nous vous proposons une petite sélection de ce qu'il y avait à voir et à lire sur, euh, dans la presse des Pays de Savoie et sur le web. Une émission présentée avec Pauline Courceau. Pauline, bonjour. Bonjour, Fannette. Et puis aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Berardi, webjournaliste citoyen pour la TVNet citoyenne. Bonjour. Bonjour. Alors, en un, un mot, la TVNet citoyenne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Bon, alors c'est difficile de faire entrer la TVNet citoyenne dans un mot, hein, mais bon, oui. c'est un média local fait par des citoyens pour des citoyens, avec une caractéristique principale, c'est que ces citoyens qui font cette télé-là ne viennent pas du métier euh, du journaliste, pour dire les choses rapidement, ou des métiers de l'audiovisuel. Vous vous intéressez de près à l'actualité sociale sur euh, votre site Internet C'est une actualité, une rentrée chargée en la matière oui, alors tout à fait. C'est vrai que la dimension sociale elle est très importante pour nous, qu'elle soit euh, revendicative, syndicale ou ailleurs. Mais aussi, on, on est sur des champs, on est une, une web-tv généraliste, un média généraliste. Donc, on, 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 on brasse et on produit de l'information autour de la culture, du politique, euh, des témoignages de, de citoyens et des initiatives citoyennes qu'on ne voit pas ailleurs. On aura l'occasion d'en reparler. Mais avant, intéressons-nous à la une de la semaine, le magazine... Elle s'est intéressé à l'avenir des frontaliers à Genève pour ce mois de septembre, un avenir un peu sombre, discrimination à l'embauche, nationalisme. Il ne fait pas toujours bon être français de l'autre côté de la frontière. Le mensuel nous propose aussi une interview d'Antoine Vieillard, maire de Saint-Julien, qui a alerté les autorités sur la question au mois de juin dernier. Pauline Courceau, de votre côté, vous êtes allé voir un petit peu ce qui se fait du côté d'Internet. C'est la rubrique Actu Connecté. Et cette semaine, Pauline, c'est la neige qui a attiré l'attention des tweetos. Exactement, Fanette. Alors, il fait beau, c'est encore... enfin, aujourd'hui il pleut, mais c'est encore l'été quand même. Et oui, il a commencé à tomber les premiers flocons. Alors, c'était du côté de Val d'Isère, et plus précisément au col de l'Iseran, à 2700 mètres d'altitude. Alors, il est tombé à peu près 10 cm de neige, vous le voyez sur, sur les tweets. Il y a eu du coup bah, les premiers salages de la saison. Mettons, France annonce de la neige encore jusqu'à ce week-end, à 2500 mètres d'altitude. Mais bon, on ne se... voit pas trop vite, ce n'est pas le moment encore de sortir les skis Fanette. Et puis un papillon qui inquiète aussi en Pays de Savoie. Exactement, c'est la pyrale du buis qui est arrivée euh, il y a quelques semaines du côté euh, de Chambéry. Elle arrive euh, plutôt la nuit, du coup ça fait euh, vraiment, euh, c'est cette petite bête que vous voyez euh, là justement euh, sur ces euh, photos, euh, qui vient la nuit principalement, du coup bon, les apéros c'est un petit peu compliqué, euh, ça a surtout mangé euh, les arbres, et donc du coup euh, il y a certains sentiers qui ont même été euh, fermés à cause, à cause de ça, à cause de la sé sé sécheresse pardon aussi. Euh, mais en tout cas a priori l'épisode est terminé, on ne devrait pas forcément les revoir euh, très très vite. À surveiller. Alors, merci beaucoup, Pauline. Nous avons poché aussi ce qu'il y avait à lire dans la presse. Papier, c'est notre rubrique top 3. Et on commence Fanette avec ActiveMath qui a sorti tout un dossier sur le cinéma italien. Voilà, le supplément mensuel féminin de l'écho des pays de Savoie Active Mag s'est intéressé à Annecy Cinéma, italien. Il sort renforcé de la tempête de 2015. Peut-on lire ce mois-ci dans l'article de Nathalie Truche la manifestation, vous en faites, c'est 30 ans cette année. à faire aussi, puisque je sais que vous adorez ça, dans le dossier, il y a un petit test pour savoir si vous maîtrisez les grands noms des actrices italiennes. Moi, je connais Monica Bellucci. C'est bon ouais, déjà pas mal. Euh, l'écho des pays de Savoie parle investissement du côté d'EDF dans les Alpes. Aussi. Voilà, c'est un petit peu moins glamour, mais ça reste intéressant. Donc, c'est un dossier proposé dans l'écho de cette semaine. EDF investit plus de 350 millions d'euros dans son patrimoine hydroélectrique des Alpes. Le le plus gros chantier du moment se situe en Tarentaise avec le remplacement des conduites forcées à Malgouver. des investissements qui se tiennent alors que de nombreux contrats de concession doivent être revus dans les mois à venir. Et puis, euh, dernier article, c'est du mon côté de montagnemagazine.com, une, avec une initiative plutôt euh, originale. Voilà, le 6 septembre est née l'association Guides sans frontières. Elle est destinée à venir en aide aux populations de montagne dans des situations d'urgence ou sur des actions à plus long terme, Guide sans frontières, recherche des professionnels bénévoles, guides ou non, qui seraient intéressés par l'action. N'hésitez pas à les contacter. Merci Fanette. Et puis donc, on l'a vu en début de cette émission, nous recevons Olivier Bérardi, le journaliste à la TVNet Citoyenne. C'est le focus de la semaine. Olivier Bérardi, donc est avec nous, webjournaliste citoyen, c'est un terme auquel vous tenez, vous êtes aussi le coordinateur du projet. Depuis la création de la WebTV en juin 2010, vous avez réalisé plus de 1600 reportages avec un objectif affiché, une information libre et indépendante. C'est un vaste programme. Oui, tout à fait, c'est dur de le tenir et surtout c'est dur de le tenir sans trop de moyens. Hein Donc c'est possible. Mais après, si on a l'ambition véritablement d'aller vers de l'enquête, du journalisme d'initiative, ce qu'on appelle, euh, il faut quand même des moyens. Et c'est ça qui nous, qui, qui, qui nous fait défaut un petit peu. Donc depuis six ans, on va dire qu'on bricole, même si on apporte quelque chose de, de, de plus sur le territoire. Euh, depuis deux ans, on a rajouté à ce support de Web TV euh, un journal en ligne qui a fait plus de 600 articles, une web radio et un espace photo. Et il faut dire que c'est vraiment un média contributif et participatif, c'est-à-dire que les citoyens peuvent nous apporter des articles et nous, on peut aussi les accompagner s'il y a besoin. On va regarder un petit extrait de ce qu'il y a à voir sur le site, on se retrouve juste après. Hello. Voyage oui, se termine, c'est une des dernières vacations qu'on vous fait vivre avec le numéro, du, avec le numéro 2 au euh, Bourget du Lac. Euh, donc on est arrivé là, euh, on va descendre. Pauline oui, alors comment on fait pour exister quand on a un média citoyen Parmi, on le sait, il y a de nombreux médias, les locaux, les régionaux, les nationaux. Comment on fait pour exister en tant que TV citoyenne Alors, moi j'ai envie de vous dire, il faut, faut partir de, du début. C'est-à-dire qu'on a l'ambition de faire du journalisme alors qu'on ne on vient pas du, du journalisme. Donc on a, dû apprendre, on a dû apprendre tout ça. Et sur quoi on, on se base pour notre légitimité On se base, et ça c'est important que tout le monde l'entende, c'est on base sur l'article 11 et l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui font partie, comme vous le savez, de la Constitution de 1958, dans le préambule. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit que tout citoyen, ces articles-là, a le droit de produire et de diffuser sur n'importe quel support de l'information. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de carte de presse. Ce n'est pas du tout un rejet du professionnalisme ou de la... Mais c'est pour dire que tous les citoyens, ils peuvent aller, peuvent aller sur de l'information. C'est l'information doivent... autrement. Ben, C'est l'information autrement, parce que comme vous le savez, si les politiques, euh, les autorités publiques, les politiques ont mauvaise presse, les médias dans les médias dominants, ce qu'on appelle, euh, ont aussi et même plus mauvaise presse. Donc il y a un souci, moi je dirais, surtout des médias qui sont pris par euh, les grands groupes euh, financiers, les banques, les milliardaires. Euh, vous, vous, vous êtes un exemple au début en tout cas euh, d'une initiative locale, huit Mont Blanc, il y a très longtemps, hein, justement contre contre ça, euh, une information euh, locale de proximité peut-être que c'est plus le modèle. C'est toujours le cas bon, On ne va pas polémiquer, on va pas... mais peut-être que a... moi j'aurai un regard différent. Mais peu importe, vous n'êtes pas dans, ce... dans cette catégorie-là. Euh, la, la, la France, on est vraiment pris dans, un... dans une tourmente là, euh, médiatique qui appartient aux puissances financières. Et il faut retrouver, euh, nous modestement sur notre territoire, puis d'autres nationales, je pense à Mediapart, etc., il faut retrouver euh, l'esprit. De différents partis politiques à la sortie de la guerre, du Conseil national de la résistance, pour faire des médias qui sont coupés de la puissance euh, financière. Et pour ça, excusez-moi, on a besoin quand même de l'État. Alors nous, médias citoyens, on n'était pas aidés jusqu'à présent par l'État, contrairement aux radios associatives, puisque nous, on est des médias associatifs. Donc euh, depuis 25 ans, 30 ans, les radios associatives sont aidées. Et nous, on n'avait pas de fonds. Et on s'est battu avec d'autres au national pour avoir un fonds. Et ce fonds, il est arrivé. Donc déjà l'année dernière, on a eu une aide de l'État en 2011. Et là, le fond, euh, c'est un scoop que je vous apprends. On l'attendait, c'est tombé. On a l'aide de l'État. Sinon, euh, je serais venu vous parler de la TVN Citoyenne qui allait s'arrêter. C'est ce que j'ai vous demandé ce vendredi soir. Vous organisez, vous organisez une réunion publique pour mobiliser le public. Vous l'aviez déjà fait il y a quelques mois. Donc l'idée, c'est vraiment d'inciter les gens à, à, vous, euh, à vous aider. Oui, parce que comme je viens de le dire, je pense que les citoyens euh, on be, on, doivent aider à la constitution de. Je, euh, à un moment donné, par exemple, le gouvernement, où, où ça, ça a paru, euh, voulait avoir des sociétés civiles de, 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 de journalistes, des sociétés citoyennes de journalistes. Bon, en tout cas, les, les citoyens, ils doivent se mobiliser pour avoir des médias indépendants. Hein. Ils ne peuvent, peuvent pas passer leur temps à critiquer les médias locaux ou nationaux et ne pas faire l'effort de s'investir et d'investir financièrement euh, dans un média citoyen et puis pareillement ils doivent faire pression sur leurs élus quels qu'ils soient les parlementaires pour qu'il y ait de l'argent beaucoup plus conséquent qui soit euh, attribué à ces médias-là une fois qu'ils ont euh, effectivement de fait euh, qu'ils font un travail de, de journalisme et d'information sur le terrain alors rapidement vous vous dites média citoyen ça ne veut pas dire média militant aussi alors, c'est intéressant que vous posiez cette question-là, parce que la notion de citoyen, comme, comme ou de citoyenneté, mm. euh, c'est un mot valise. Et moi, je la définis très précisément. C'est-à-dire qu'un citoyen, c'est pas un habitant, c'est pas un consommateur, c'est pas un usager. Et, et alors, qu'est-ce que c'est ben, C'est qu'au cœur, il y a le politique. Et je pense, euh, on n'a pas au le Au sens temps. large. Eh oui, le politique. Pas la politique, le politique. Mm. Au sens grec. Et je crois qu'on n'a pas le temps de le développer. Mais non. un petit peu avant la démocratie grecque, avant que cette notion de citoyenneté arrive, euh, la participation à la cité, c'était des groupes euh, de, de riches, de, de nobles, de, de, des communautés culturelles. Et puis il y a eu cette citoyenneté qui est arrivé en Grèce, dont les femmes et les esclaves étaient exclus, les étrangers, mais qui revendiquait la libre parole dans l'espace public et la participation active aux politiques publiques. Eh bien, moi, je crois qu'on est dans une période assez terrible et inquiétante, parce qu'il y a une dépolitisation du, de la notion de citoyen. Et donc vous, vous essayez d'aller à l'encontre de cette tendance-là, si on a bien compris. Exactement, c'est pour, pour ça que sur notre site, juste une chose, oui. on dit qu'on est au cœur du politique, alors que je le précise, on dépend d'aucun mouvement politique et qu'on n'a pas l'ambition d'être dans le match ou le jeu de la conquête du pouvoir au local. Mais on est au, au même titre que des élus ou des partis politiques ou des militants politiques, on est des militants de l'information au local, au plus près des gens. Merci beaucoup. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site donc de la TvNet Citoyenne. Merci Olivier Merci Berardi. Pauline, pour aller jusqu'à la fin de cette émission, vous nous proposez vos tops et flops. On commence avec les flops. Laurent Vauquier fait encore parler de lui. Et oui, Laurent Vauquier, le président de la région Verdogna, tout nouveau président aussi des Républicains par intérim. Eh bien, il, veut lancer, enfin, il fait un appel au maire pour la fronde. Vous le savez, le gouvernement veut répartir les migrants un petit peu partout dans toute la France. Euh, Laurent Vauquier, en région Verdogna, devrait accueillir 1784 migrants. Il a dit non, il ne veut pas d'un Calais dans sa région. Du côté de la gauche, et eh bien, on a réagi vivement en disant. Que Laurent Vauquier n'était pas le shérif de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'été a été meurtrier pour les wingshooters. Oui, exactement. Le wingshoot. Si vous ne savez pas ce que c'était, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un vol effectué à l'aide uniquement d'une combinaison spéciale en forme d'aile, comme vous pouvez le voir ici. Il y a eu un décès il y a quelques jours. C'est nos confrères du Dauphiné qui, en, qui nous en ont parlé du côté de Six Fer Cheval. C'est déjà le troisième accident qu'il y a dans, sur ce lieu. Alors, il faut rappeler que c'est une pratique qui est dangereuse et qui n'a pas le droit à l'erreur. Donc, il faut faire très, très attention. Des nouvelles plus réjouissantes avec les tops et ce pilote Albert Villois qui vous a attiré l'œil. Exactement, c'est Sylvain Micheli. Il est originaire d'Albertville. Vous venez de le dire. Il est champion de France des rallyes. Il a seulement 24 ans. Alors c'est un tout jeune. C'est le plus jeune champion de France de rallye. Il est fan, bien évidemment, de Sébastien Loeb, nonuple champion du monde. On risque donc de le revoir sur les rallyes prochainement et peut-être pour prendre la place de Sébastien Loeb. En tout cas, on l'espère. Une info aussi qui vous tient à cœur. Le punch savoyard existe. Exactement. C'est nos confrères de France Bleu qui nous en parlent. Serge. Gérard est originaire des Antilles, il a appris là-bas à faire son ponche, il l'a importé en Savoie. Alors lui, il fait du ponche et pas du vin. Il prend même les baies rouges dans son jardin et fanette si vous voulez le goûter eh bien il le vend sur le marché de Chambéry. Et puis, on trouve un petit bout de Suisse dans l'espace depuis exact, quelques temps. Exactement. C'est la Tribune de Genève qui sort cet article. L'Université de Genève a envoyé un détecteur, attention, d'astroparticules. C'est une mission top secrète. On ne sait pas trop ce qu'ils vont y faire. En tout cas, c'est dans une fusée chinoise. Le décollage s'est bien passé. Dans 10 jours, on devrait pouvoir avoir les premiers résultats. C'est donc fait un petit pas pour la Suisse, mais un grand pas pour l'humanité, on va dire. <laughs> Merci beaucoup, Pauline. C'était Médiasphère. On se retrouve la semaine prochaine pour toute l'actualité des médias des pays de Savoie. D'ici là, restez sur 8 Mont Blanc. Passez une très belle journée.